Le plus grand échouage de baleines de toute l'histoire s'est produit dans le sud du Chili. Ces derniers mois, ce sont en tout près de 400 baleines qui sont mortes sur les côtes chiliennes. Une nouvelle qui a fait le tour du globe, et un mystère, qui est responsable de ce massacre. Puerto Montt, dans le sud du Chili, la porte d'entrée de la Patagonie. On s'affaire dans le port de la ville. Un navire militaire s'apprête à partir en expédition. À son bord, des vétérinaires, des biologistes et des membres du PDI, la police criminelle chilienne. Leur mission, trouver ce qui a tué toutes ces baleines, ordre du gouvernement. Direction El Golfo de Penas, le golfe des peines, le bien nommé. Parfois un nom dit beaucoup de choses. Pensez au Cap de Bonne-Espérance. Le golfe des peines. Quelqu'un l'a baptisé comme ça. Ce n'est pas très facile de naviguer ici. Vraiment pas facile. Pour le moment, le temps est au beau fixe. Le capitaine réunit les membres de l'expédition pour un briefing de bienvenue. En étant réaliste, je pense que notre expédition pourrait durer environ 5 jours. Ok ? Parfait. Bon voyage. J'espère que tout va bien se passer, qu'on va atteindre nos objectifs. Et encore une fois, bienvenue à bord. Première nuit de veille. Les scientifiques doivent se rendre là où les baleines se sont échouées pour autopsier les corps. Ils cherchent aussi à repérer d'autres cétacés, morts plus récemment, pour savoir si l'hécatombe continue. Dès le lendemain, le temps se gâte. Et la navigation devient difficile, avec des creux de 5 mètres. Dans le bateau, on s'adapte comme on peut. Les hommes sont maintenant à une demi-journée de leur objectif quand, soudain, une nouvelle victime est repérée. Le chef de l'expédition, Mauricio Ulloa, un vétérinaire spécialiste de biologie marine, a aussitôt réuni ses équipes. Francisco, le policier, prend la parole. Cette baleine n'est pas aussi abîmée que les autres, qui sont dans un état de décomposition avancé. La peau a l'air intacte. Ça veut dire que ce spécimen est bien conservé et que la mort est récente. Elle a dû mourir dans les deux dernières semaines. Malheureusement. Ce n'est pas bon signe ? Non. Mais ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Ça signifie aussi que les baleines continuent de mourir. On attend juste l'autorisation du commandant pour accoster et aller étudier ce spécimen. Ils vont aller autopsier le corps de la baleine. Pour nos experts, il s'agit d'une scène de crime. Ils vont ausculter le cadavre, le découper, faire des prélèvements. J'ai besoin d'un volontaire pour m'aider à la mesurer. On y va ? Très rapidement, Mauricio arrive à une première conclusion. Il n'y a aucune trace évidente d'intervention humaine pour expliquer la mort. Pas de marque de filet de pêche, ni de collision avec un bateau, ou de blessure causée par un harpon. Il faut chercher ailleurs les causes de la mort. Je cherche des échantillons de ce qu'elle mange. L'autopsie du mammifère de 13 mètres peut commencer. Vous allez la découper ? On va l'ouvrir. Bien.
Ce sera plus facile qu'avec d'autres espèces. Cette baleine n'est pas très grosse. En l'ouvrant, on va pouvoir aller directement à l'intestin et au rectum. Pour expliquer ces morts, les scientifiques travaillent notamment sur une hypothèse la plus probable à ce jour. Cette mortalité pourrait être liée à une biotoxine marine. Une algue en particulier est montrée du doigt, la marea roja, la marée rouge. À quelques centaines de kilomètres de là, nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui travaille aussi sur cette hypothèse. Francisco Vidi, le fondateur de l'association Baleine Bleue. Il est même très pessimiste. Ces baleines mortes ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg. On ne sait pas ce qui est en train de se passer dans les fonds marins. On a peut-être affaire à l'extinction locale de toute une espèce. L'écologiste veut nous montrer ce qui, selon lui, pourrait être responsable de la prolifération de l'algue rouge et donc de la mort des cétacés. Les salmoneras, les industries d'élevage de saumon. Voici la mer intérieure de Chiloé, où a commencé la salmoniculture il y a presque 30 ans. Aujourd'hui, le Chili est le deuxième producteur mondial de saumon. Problème, ces industries rejettent dans la mer beaucoup de nitrates et de phosphates dont se nourrit l'algue rouge. La biotoxine est produite de manière naturelle par l'algue rouge, mais en grande quantité, elle affecte le système nerveux des vertébrés, comme les oiseaux ou les mammifères. Et ça provoque une paralysie des muscles. Pour porter des accusations plus formelles, il faut attendre les conclusions des experts. Nous sommes de retour avec l'expédition scientifique. Elle a atteint le charnier. Regardez, juste là, il y a encore un crâne. Une vision terrible. Tous les 300 mètres, des baleines mortes. Il y en a près de 400. Je n'ai pas envie de me mouiller. C'est l'objectif numéro 1 de l'expédition, autopsier le maximum de baleines pour désigner un coupable. On travaille exactement de la même façon quand on enquête sur un meurtre, par exemple. On investit les lieux du crime et on recherche des indices. L'équipe va poursuivre sa macabre besogne sur des kilomètres à la ronde, sans rien laisser au hasard, sans écarter aucune hypothèse. Là, on essaye de récupérer le système auditif de ce spécimen. Si on y trouve des fissures ou des blessures au moment des examens, ça pourrait être la preuve que ces baleines ont été affectées par des sons puissants qui les ont désorientées. En tout, les scientifiques vont pratiquer 40 autopsies. Leurs conclusions ne sont pas attendues avant un mois, mais l'homme est probablement responsable de cette tragédie. Les baleines continuent de mourir. La Patagonie, l'une des dernières zones vierges de la planète, est en grand danger.